Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi, en tout cas, je me porte très bien comme d'habitude. Il y a quelque temps, j'avais publié une vidéo dans laquelle je vous expliquais ce qu'il fallait faire pour gagner en productivité. Et l'un des points importants de cette vidéo était de mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment mettre en place effectivement un plan d'action qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Le plan d'action permet de contrôler ce qui est à faire et comment c'est fait. Il a pour but d'assurer l'atteinte d'un objectif. Mettre en place un plan d'action comporte plusieurs bénéfices que sont. Il permet de ne rien oublier en listant toutes les tâches à effectuer. Il permet de maîtriser le temps de mise en œuvre de l'objectif. Il permet également de maîtriser les moyens que vous mettez à disposition pour atteindre l'objectif. Ça peut être des moyens financiers, des moyens humains ou matériels. Il permet tout aussi d'envisager des solutions pour des problèmes qui peuvent survenir dans la réalisation de vos différentes tâches. Pour mettre en place de manière simple et efficace un plan d'action, vous devez lister de manière exhaustive toutes les tâches à effectuer pour atteindre vos objectifs. Par exemple, envoyer un mail à mes amis pour leur communiquer un code promotionnel ou effectuer une publication Facebook pour inciter à découvrir mon service ou mon produit. Ou encore réaliser une vidéo promotionnelle qui sera diffusée sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux. Pour chaque tâche que vous listerez, vous devez définir clairement un indicateur de validation. Ça sera en quelque sorte le critère de réussite de la tâche. Par exemple, pour la tâche qui consiste à envoyer un mail contenant un code promotionnel à nos amis, un critère de validation sera par exemple l'utilisation de 20 codes promotionnels. En ce qui concerne la réalisation d'une vidéo promotionnelle par exemple, le critère de validation sera la livraison effective de la vidéo par le prestataire. Pour chaque tâche, vous devez lister également tous les obstacles possibles et prévoir une solution pour chaque obstacle. Si on prend toujours l'exemple du mail qu'on envoie à nos amis pour leur communiquer un code promotionnel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un accusé de réception. Dans ce cas-là, on peut considérer comme obstacle le fait de recevoir moins de 10 accusés de réception. Cela signifie que la plupart de nos amis n'auraient peut-être pas vu le mail. Dans ce cas-là, la solution qu'on pourrait appliquer serait de les recontacter soit par SMS, soit via un message WhatsApp pour les relancer et les informer qu'on leur a envoyé un mail. Si par contre un grand nombre d'amis a confirmé avoir reçu le mail du code promotionnel, mais derrière, on ne constate pas l'usage des différents codes promotionnels, cela par exemple constitue l'obstacle qu'on pourrait noter. Et face à cet obstacle, on pourrait proposer une solution qui serait simplement de mettre en place une réduction supplémentaire. Pour chaque tâche, vous devez également prévoir un délai réaliste. Par exemple, dans le cas de notre envoi de mail, on peut se dire que dans un jour, on doit avoir envoyé un mail à tous nos amis. Pour l'exemple de la vidéo promotionnelle, on peut se dire que la vidéo promotionnelle doit être livrée dans 5 jours et être publiée sur notre plateforme de réseaux sociaux dans un jour supplémentaire, si bien sûr la vidéo respecte le cahier des charges. En suivant ces différents points, vous saurez mettre en place un plan d'action simple et efficace qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Cependant, il vous faudra derrière mobiliser tous les moyens possibles pour favoriser l'atteinte de vos objectifs. Par ailleurs, même s'il faut prendre le temps de bien planifier les choses, vous devez éviter le piège qui consiste à passer tout son temps à mettre en place un plan d'action au lieu de passer concrètement à l'action. Réussir à respecter un plan d'action qui a été mis en œuvre demande beaucoup de rigueur. Mais investir dans la rigueur est rentable à terme. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux planifier vos tâches désormais et à mettre en place des véritables plans d'action qui vont vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!